coração da tua luz. Só que falta o teu nome, em ti, durante o verão e a noite dessa noite. Pela façon, dont sa foi trempée a guidé chaque jour de son existence sur cette terre. Et c'est pourquoi c'est nos âmes locales qui doivent être unies pour qu'ensemble nous portions toujours le plus grand respect pour ces hommes et ces femmes qui se dévouent sans relâche chaque jour pour assurer notre protection et surtout venir comme Pierre sauver des vies. Avant d'entrer en célébration, nous invitons les personnes représentant les diverses instances civiles à venir présenter leur hommage. S'il vous plaît, Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal. Votre Honneur, le plan gouverneur Boyon, Madame Alice, Première ministre, Madame Dubois, Madame la ministre Rouleau, Monsieur le ministre Lafrenière, mes collègues, maires suppléants et membres du comité exécutif de la Ville de Montréal, Monsieur le directeur général de la Ville de Montréal, Monsieur le directeur du service de sécurité et santé de Montréal, Monsieur le directeur du service de police de Montréal, Monsieur le vice-président de l'Association des pompiers de Montréal, et puis tout spécialement, Madame Hinault, Annick et Stéphanie, Yves, chère famille, amis, collègues de Pierre-Lacroix. Merci d'être ici en aussi grand nombre pour honorer la mémoire de Monsieur Lacroix. Nous partageons notre immense tristesse. Au nom de la population montréalaise, Je rends plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à toute la famille des pompiers et pompières de la Ville de Montréal. Je tiens également à présenter mes condoléances à toute la caserne 64 qui vient de perdre l'un des siens. Je salue aujourd'hui le courage et le dévouement dont a fait preuve le pompier Lacroix et celui de ses collègues et des policiers qui ont tout fait pour le sauver. Dans tous les témoignages entendus et lus, on comprend que M. Lacroix était motivé par son désir d'aider, de faire une différence dans la vie des gens. À ses filles, Annick et Stéphanie, à Mme Hinault, je souhaite que toute la fierté que nous allons exprimer aujourd'hui vous aide à surmonter cette perte douloureuse. Le courage de M. Lacroix nous inspire à continuer à ne laisser personne derrière. Honorons sa détermination, son sens du devoir et son amour pour ses proches. En ces moments difficiles, je suis solidaire avec toutes les pompières et les pompiers du service de sécurité incendie de Montréal. Je vous remercie pour votre travail exceptionnel au quotidien, pour vos efforts déployés pour toujours mieux protéger, mieux servir les Montréalais et les Montréalaises. Vous répondez tous et toutes présentes face au danger et vous sauvez des vies, parfois au prix de la vôtre. Je voudrais vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre courage et votre engagement quotidien. Nous sommes à vos côtés. Sachez que nous déployons toute l'aide nécessaire pour vous soutenir et cela va continuer tant et aussi longtemps que les besoins seront là. Je terminerai en disant que le sacrifice de M. Lacroix ne sera jamais oublié. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés à l'intérieur de cette enceinte et également à l'extérieur pour porter un dernier hommage à un homme qui a payé sa vie pour sauver celle des autres. C'est le plus grand, le plus beau sacrifice. Et bien sûr, nos pensées sont avec la famille qui perd un décès. Merci.
J'invite, s'il vous plaît, M. Richard Libman, directeur du service de sécurité incendie de Montréal. Je sais que c'est devenu un cliché lorsqu'on parle de quitter la maison sans être certain d'y revenir. Et comme service, en collaboration avec nos partenaires syndicaux, nous travaillons à tout faire pour nous assurer que chaque personne retourne chez elle, saine et sauve, à la fin de son corps de travail. Mais parfois, on nous rappelle de la manière la plus brutale possible que le métier de pompier, par sa nature même, comportera toujours un certain niveau de risque qu'on ne retrouve pas dans d'autres chemins de carrière. Lorsque quelqu'un appelle le 911 parce que sa vie est en danger, ce sont souvent les pompiers et pompières qui se dirigent justement vers la situation dangereuse pour extraire cette personne de sa situation périlleuse. Dimanche soir, le 17 octobre dernier, ce sont les pompiers Pierre Lacroix, Michael Maillé, Robin Brunet-Paiement et le lieutenant François Rabouin qui ont répondu à l'appel. Deux personnes qui se retrouvaient dans des situations extrêmement dangereuses sur le fleuve Saint-Laurent, la nuit, dans la noirceur, en dérive vers les rapides de la Chine. Et ces quatre pompiers se sont dirigés vers eux, vers les victimes en péril, vers le danger, pour aider. Tout comme les pompiers et pompières qui entrent dans des bâtiments en flammes pour sortir des personnes qui s'y retrouvent, ou les spécialistes du groupe de sauvetage technique qui descendent la façade d'un bâtiment de grande hauteur, mettant littéralement leur vie sur une corde, pour extirper quelqu'un coincé sur une plateforme, ou les techniciens du groupe d'intervention en matière dangereuse qui entrent dans une atmosphère létale pour contrôler une fuite. Je pourrais continuer à lister une panoplie de situations critiques et vous parler des compétences et des habiletés que les pompiers possèdent pour maîtriser ces situations. Je pourrais aussi vous parler de la qualité de courage nécessaire pour faire face volontairement à ces situations qui mettent leur vie en danger. Mais il y a vraiment un élément commun que l'on retrouve parmi toutes et tous qui font le choix d'être pompier ou pompière. Et ce n'est même pas le simple courage. L'élément commun qui est nécessaire pour ce métier est le désir d'aider. Le désir de venir en aide à des personnes qui sont en détresse, qui sont en péril, qui ont peur pour leur vie. S'il y a une chose que je retiens quand les gens me parlent de Pierre Lacroix, c'est que sa vie était essentiellement dédiée à aider les autres, que ce soit au travail, dans sa communauté ou dans sa famille. Pierre aimait aider les autres. Et son geste final, son geste ultime, était un geste d'aide à des personnes en péril. On se souviendra à jamais du pompier Lacroix qui est mort exactement comme il a vécu en aidant les autres. Je souhaite mes plus sincères sympathies à la famille, à ses proches et à tous ses collègues pompiers. J'invite M. Richard Lafortune, vice-président de l'Association des pompiers de Montréal.
Bonjour. C'est un honneur d'être ici au nom de l'Association des pompiers et pompières de Montréal pour un hommage à l'un des nôtres, Pierre Lacroix. Stéphanie, Annick et Nathalie, merci de m'accorder le privilège d'honorer Pierre Lacroix aujourd'hui. Au nom de nos 2400 membres, je vous offre nos plus sincères condoléances à tous, votre famille, les collègues, amis et voisins de Pierre. Vous avez subi une perte énorme. Votre perte est aussi notre perte. Votre douleur est la douleur du tout Montréal. Montréal est en deuil. Pierre avait une force de caractère, un courage et un engagement exemplaire, qui, bien que croire dans la société en général, sont des vertus communes dans le rang des pompiers et pompières de Montréal. Pierre représente ce qui est grand et bon chez nos pompiers et pompières. Il était parmi les meilleurs d'entre eux. C'est un héros. Nous nous souviendrons toujours de l'exemple qu'il a donné et nous nous en inspirerons. Il a fait le sacrifice ultime au service de sa ville et de sa communauté et tous lui seront éternellement reconnaissants. Notre mission comme pompiers de Montréal est de rendre l'agglomération plus sécuritaire en étant prêt à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement. Pierre a incarné cette mission tout au long de sa vie et de sa carrière. Il a grandi et vécu près de sa caserne. Il a été un exemplaire. Il a été exemplaire non seulement au service, mais aussi dans sa communauté. Nous le disons tous, il était l'excellence même. Il n'a jamais demandé de reconnaissance, mais la mérite aujourd'hui. Stéphanie, Annick, Nathalie, les hommes et les femmes qui sont venus de partout en Amérique du Nord et qui sont réunis ici aujourd'hui seront toujours avec vous. Vous avez toujours été et serez toujours dans notre famille. Il n'y a pas de mots, pas de cérémonie et pas de monument commémoratif qui peuvent combler ce vide, ce trou noir dans la poitrine que vous ressentez, que nous ressentons tous. Mais le jour viendra où le souvenir de Pierre fera sourire avant de pleurer. Mon souhait est que ce jour vienne plus tôt que tard. A few words in English to our brothers and sisters that came from all over the country and the States to support us and share our pain. Thank you. My last words for the firefighter family, GP Kelly, if you may, will be taken from your words. Be you, be strong, be a firefighter like Pierre Lacroix was. Rest in peace, brother, we won't forget you. En conclusion, mes derniers mots pour la communauté pompier, soyons-nous, soyons forts, soyons pompiers comme Pierre Lacroix l'était. Pierre, repose en paix, mon frère, nous ne t'oublierons pas. Merci, thank you. Après avoir écouté ces hommages, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions célébrer la vie qui a animé cette terre par des chants et des prières, par l'écoute de la parole de Dieu, des moments de silence et d'émotion. Soyons en communion avec tout ce qui nous présente pour chacun et chacune. Que nos cœurs s'unissent pour soutenir et témoigner de l'espérance et de la foi qui nous relie à cet homme ainsi qu'aux membres de sa famille. C'est pourquoi nous voici rassemblés en tant que frères et sœurs baptisés autour de Pierre Lacroix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La grâce de Dieu notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion que l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bonjour à chacun et chacune de vous. Merci à vous qui avez présenté ces orages au nom des instanciers. Vous savez, parce qu'il y a des liens qui nous rattachent les uns aux autres, au-delà des apparences et des choix de vie de chacun, nous nous retrouvons ensemble, aujourd'hui, dans cette église, pour dire un dernier au revoir à M. Pierre Lacroix, qui vient de nous quitter. Quelles que soient nos convictions, nous sommes là auprès de lui. Parents, amis, voisins, membres de l'équipe de sauvetage nautique, de la caserne et du groupe 64, du service incendie de Montréal, de tous ses confrères qui sont venus au-delà de nos frontières, pour manifester ensemble notre sympathie et notre soutien en ces moments difficiles de la séparation, avec toutes les personnes qui sont unies avec nous de cœur et d'esprit, que ce soit lors de la chapelle ardente, le long du cortège, via les médias et les réseaux sociaux, ou ici même sur la place d'Armes, que notre prière émane du cœur de chacun et traduise ainsi toute la force de cette unique et grande famille que Dieu seul peut rassembler autour de son Fils bien-aimé Pierre. Pour nous faire connaître cet homme, que ce soit au plan personnel ou autant en tant que membre du corps de métier qu'il a servi si fièrement pendant de nombreuses années, j'invite maintenant un de ses confrères, M. Yannick Dion, accompagné de quelques membres du groupe 64-3, à venir nous adresser l'hommage qu'il a préparé pour son confrère, lequel sera suivi d'un très bon voisin, M. Sébastien Vincent. Bonjour à tous. La famille des pompiers est en deuil. Dans la famille, il y a des équipes. Notre équipe est particulièrement touchée par ce deuil, bien entendu. C'est pourquoi, en équipe, à la caserne, la semaine passée, on a concocté ensemble à la table ce mot dédié à ses filles, à ses proches, et pour permettre à la grande famille de connaître mieux notre collègue et ami qui nous a quittés. Je vous présente Yannick, son collègue de longue date. Bonjour. Tout d'abord, au nom de la caserne 64, on vous remercie d'être venu aujourd'hui en l'honneur de Pierre. Nous voulons aussi remercier chaleureusement celles et ceux qui ont participé à cet élan d'amour que nous avons reçu à la suite des derniers événements. Pierre a commencé comme pompier, temps partiel pour Ville-Saint-Pierre. Il a vécu deux fusions municipales. Il a bûché très fort pour compléter sa formation de soir et de fin de semaine pour enfin obtenir sa permanence au service incendie de Montréal, arrondissement La Chaîne, où il travaillait depuis 20 ans. Pierre pouvait fumer une cigarette, se claquer deux grosses assiettes de spaghettis, trois Joe Louis, deux bostons à l'érable, et ensuite courir 20 km en revenant chez lui le soir pour rester en forme. Doyen de l'équipe, il incarnait très bien ce rôle. Il agissait comme un bon père de famille. Il influençait positivement les jeunes par ses bonnes manières. Il était prêt à se sacrifier et à se salir les mains pour les autres. Pierre était une encyclopédie sur pied bronzé. Il connaissait mieux son secteur que Google Maps.
Il nous surprenait toujours par ses, par ses vastes connaissances générales. Par exemple, il pouvait nommer le gagnant de la médaille de bronze au lancer du javelot aux Jeux olympiques de 1976, alors qu'il n'aimait pas le javelot. Il était le seul en 2021 qui écoutait encore la soirée canadienne, comme si chaque épisode venait tout juste de sortir. Au premier regard, il avait l'air d'un pompier sévère avec ses gros sourcils et sa moustache de motard. Il avait l'air difficile d'approche, mais derrière ses airs de tough se cachait un homme accessible, sensible, toujours prêt à écouter. D'un dévouement sans limite, il ne demandait jamais rien en retour. Il était très attentionné, sauf pour sa santé. Dieu sait la quantité de sucre qu'il mettait dans son café et les montagnes de gâteaux qui se retrouvaient dans son assiette à chaque repas. Pierre avait deux familles distinctes. Il avait ses filles, Annick et Stéphanie. Il nous parlait souvent d'elles avec les yeux brillants. Il en était tellement fier. Son autre famille, c'est notre famille, celle des pompiers. Elle prenait aussi une grande place dans son cœur. Elle l'occupait au quotidien, tellement qu'il trouvait toujours une raison pour passer à la caserne durant ses vacances. Il ne faisait pas que passer, il prenait des nouvelles de tout le monde, ce qui pouvait durer 2-3 heures. Notre Pierre était un gars humble et sans prétention. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il évoluait sous le radar. Maintenant que tu nous as quittés, tu demeureras ce personnage grandiose, plus grand que nature. Veille sur nous. Comme toi, nous aspirerons toujours à devenir meilleurs. Pour toutes ces raisons et à la suite de ton sacrifice, mon chum, nous t'oublierons jamais. Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs. En conclusion, pour faire un petit clin d'œil à Pierre, le gagnant de la médaille de bronze aux Olympiques de 1976 était Guirgui Megelea. Merci à tous. Cher Pierre, depuis ton départ, on te célèbre en héros, ce qui doit terriblement te gêner, car tu n'as jamais recherché la lumière. Tapis dans l'ombre du héros, il y avait l'homme. C'est à titre de voisin et d'un ami parmi tant d'autres que je souhaite aujourd'hui témoigner. C'est le privilège que m'accorde la famille, et je les en remercie. Pierre, voici ce que j'aurais voulu te dire si tu m'en avais laissé le temps. Dans nos vies, à ma conjointe Marie-France, à nos filles Béatrice et Rosalie, tu demeures
notre Pierre. On t'entend toujours au fond de nos têtes. Tu demeures dans notre quotidien. Tu chamboules nos cœurs. Ta présence flotte sur les trottoirs du quartier que tu as mille fois foulé. Le voisinage, c'était ton royaume. Tu couvrais nos rues et nos maisons de ta présence chaleureuse, tranquille et rassurante. C'est ce que j'ai ressenti durant nos 16 années d'amitié constante et fidèle. Tu étais de la trempe de ces rares hommes. L'amitié prend tout son sens. Tu savais écouter. Tu connaissais tout, de tout le monde, sans jamais en tirer avantage. Tu étais une vraie mémère, mais une mémère discrète. Quand tu passais devant la maison, on arrêtait tout juste pour te parler. Tu inspirais l'échange et la confidence. Tu savais raconter les histoires les plus atroces avec un humour ravageur. Tu avais un franc-parler, cru et imagé, juste assez. Tu portais un regard lucide sur la vie. Ton irrésistible humour cachait une touchante sensibilité tout en retenue. L'humour pour te protéger, pour passer au travers. Merci pour ta disponibilité, pour ta générosité. Tu étais l'homme aux mille solutions. Peu importe l'heure, peu importe la situation, un problème, appelle Don Pierre. Nos poubelles rangées, c'était toi. Nos entrées déneigées dès l'aube, c'était toi. Les bardeaux arrachés, tu grimpais pour tout régler. Quand nous étions en voyage, tu prenais soin de notre maison comme de la tienne. Tu étais un ami fidèle. Quand tu avais adopté, c'était pour la vie. Quitte à te faire passer au second plan, voire à t'oublier. Tu aimais et voulais donner, mais trop rarement recevoir. Tu étais si difficile à convaincre pour les petites et pour les grandes choses de la vie. Tu ne voulais jamais déranger. Tu refusais l'offre de rester à souper. Nous, nous voulions juste continuer à te côtoyer, à t'entendre raconter. Tu nous faisais du bien, le savais-tu? Pierre, tu étais si rassurant. Je serais parti à la guerre avec toi. Tu aurais trouvé le moyen de nous faire passer entre les balles. Parlant d'aller à la guerre, toi qui étais un gars d'équipe, tu me permettras d'avoir une pensée émue pour tes trois frères d'armes qui étaient à bord avec toi ce terrible dimanche soir d'octobre. Ces gars ressentent sans doute un énorme vide. Nos cœurs sont aussi avec eux. Pierre, quand les projecteurs s'éteindront, quand la longue nuit du deuil viendra, nous pourrons te rendre la pareille en prenant soin de tes proches, comme tu l'aurais fait pour nous en pareilles circonstances. À notre Pierre, dans ta modestie, tu as été grand. Tu nous habites et nous habiteras au fil du temps. À notre Pierre, un homme bon, un ami cher, merci d'avoir traversé nos vies. Nous sommes privilégiés de t'avoir rencontré. Tu es disparu comme tu as vécu, en étant présent et en aidant. Ce que vous venez de partager, c'est la façon dont Pierre Lacroix est directement relié à ce feu qui surgit du ciel passant. Monsieur Vincent, Yannick et tous ses confrères
Je souhaite que vous soyez pleinement conscients que chacun et chacune de nous aujourd'hui avons le privilège d'être illuminés de la présence de cet homme. C'est pourquoi Pierre est au pied de ce feu d'amour, de cette expérience qu'il a souhaité vivre et partager durant sa présence sur nous. Et c'est cette même façon avec laquelle Dieu ne cesse de s'adresser à nos cœurs, pour que nous laissions tout simplement Pierre nous guider jusqu'à lui, tout au cours de cette célébration. Dieu notre Père, tu nous as confié Pierre, ton fils, au jour même de son baptême, pour qu'il grandisse en enfant de lumière. Et nous souvenant de son entrée dans ton Église, c'est pourquoi cette flamme, ce feu, brille. C'est lui aussi qui nous éclaire aujourd'hui, et que cette même flamme nous guide toujours et partout dans notre marche vers toi, toi qui es le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, dans la manière de laisser cette présence amoureuse venir nous soulager, à travers des sentiments bien humains, c'est à travers le Kyrie que nous pourrons, tout comme Pierre, laisser notre cœur se laisser délivrer de tout ce qui nous empêche de laisser cette force d'amour agir en nous et venir à notre rencontre. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, pour vaincre en nous la mort et le péché. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie. Seigneur Dieu, nous pleurons aujourd'hui ton fils bien-aimé Pierre, et la brutalité de sa mort ajoute encore à notre peine. Que ton amour nous donne de croire ce que nos cœurs n'arrivent pas à comprendre. Tu l'appelles à vivre ainsi auprès de toi, toi qui es le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît, pour accueillir la parole de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Frères et sœurs, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ Jésus a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur.
Chère famille et amis de Pierre, confrères, consoeurs de travail, Dieu qui est amour et réconfort est avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Seigneur, que ta parole ouvre nos intelligences afin qu'elle soit sans cesse à nos lèvres et bien enracinée dans nos cœurs. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devient tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous aussi craintifs, hommes de peu de foi? » Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Je pense que l'expression qui vient spontanément, méchante tempête. Et dans cette tempête qui vient assaillir nos âmes, nos cœurs, nos personnes, c'est parce que face aux éléments de la création, c'est chacun et chacune de nous qui avons à composer avec le choix que Dieu nous laisse en toute liberté. Lui faire confiance ou se laisser tout simplement guider par d'autres sources. Pierre était profondément guidé par le fait même que toute son existence céleste c'est entièrement dévolu à la façon dont il nous a témoigné sa foi inébranlable au Christ. Pour lui, c'était tatoué sur le cœur, comme ça avait été fait le jour de son baptême. Et c'était tellement tatoué qu'il en était conscient chaque jour, à travers les témoignages que nous avons entendus, comme quoi ce que Pierre Lacroix et foncièrement. C'est un homme qui savait en toute humilité comment poser des gestes pour traduire cette relation à Dieu. Il en était tellement imprégné que pour lui, chaque fois que tout cela transparaissait à travers lui, ça a été sa manière de vous montrer comme on le voit sur la photo. Que malgré toute épreuve, il y a toujours raison de sourire à la vie. La tempête qu'on vit en nos cœurs, c'est de savoir que lorsque je me fie à quelqu'un qui a cette toute-puissance pour être capable de me rassurer, de me donner la confiance nécessaire pour aller encore toujours de l'avant dans la vie, c'est ce que vous transmet Pierre aujourd'hui, et spécialement pour Annick et Stéphane. Vous savez comment est-ce qu'il faut pas être fier de vous autres. Vous savez comment est-ce qu'il va continuer chaque jour de vous accompagner, de vous tenir la main, de dire « Je suis partie prenante de ce que vous allez constamment me partager, me confier. La façon dont je souhaite tellement que vous soyez heureuse. » Que vous puissiez avoir ce plus profond respect de vous-même en tant que femme, dans la manière de savoir que tous les jours,
Je vais vous aider à entrer à l'intérieur de votre cœur et à aller voir que tout ce que j'ai déposé, c'est ce feu d'amour qui ne cesse tout simplement de croire, de vous accompagner dans tout ce que vous êtes et dans ce que vous allez pouvoir réaliser comme femme. D'en savoir que ce qui nous unit, c'est véritablement ce sentiment puissant que ce que je vous ai véritablement transmis, bien, c'est qu'à chaque fois qu'on allait à l'église des Saints-Anges à la Chine, bien, on se tenait la main, puis on était tous les trois, comme la Sainte Trinité. On se faisait des beaux clins d'œil pour dire, au fond, ce que je suis en train de vivre, c'est que ce que je vous transmets, comment avoir confiance pour que chaque jour, malgré tout ce qui peut vous arriver, je suis encore bien présent à vous deux. Je veux vraiment que vous continuiez de sourire à la vie. Prenez le temps de vivre ce deuil. Prenez le temps de vivre vos sentiments bien humains. Et en quelque part, c'est tout à fait normal et très humain de dire, ben oui, il faut que je crie. Il faut que je crie ma douleur, il faut que je crie comment à travers ce moment si brutal. Qu'est-ce qui fait que tu es parti? C'est parce que tu as répondu à un appel. Un appel de détresse. Et toi, Pierre, avec Michael, Robin et François, ben, vous êtes partis tous les quatre, sachant aucunement ce qui allait arriver. Vous êtes allés porter secours à un couple qui, tout simplement, à travers leur embarcation, ont vu qu'une défaillance technique les empêchait de retourner à leur destination. Et c'est là que ce que vous avez vécu comme expérience, c'est d'aller au secours de ce couple et de tenter de pouvoir tout simplement prêter main forte pour que vous puissiez les ramener à bon port. Et c'est là que soudainement, les flots, les vagues ont envahi cette embarcation dans laquelle vous prenez place. Aucun être humain ne peut maîtriser les flots. Sans là, ce que Dieu nous invite à regarder à l'intérieur de soi, c'est comment on peut apprendre à se maîtriser et surtout à donner chaque jour encore, même dans ces moments où tout ce que je peux donner du meilleur de moi-même va me permettre de sauver la vie d'un frère et d'une sœur qui, de pur étranger, sont devenus des membres de cette famille. Et c'est pour rien que je vous souhaite de garder chaque jour cette source d'inspiration que cet homme. Que nous prenions conscience que comme personne humaine, la dimension spirituelle fait que nous sachions chaque jour aller nous imprégner de cette force, de ce courage, de cette détermination, de cette audace qui nous permet d'être au service de nos frères et sœurs jusqu'à donner sa propre vie. Et Dieu sait que les destins tragiques et cruels que Pierre a vécu, mais pour lui, c'est sa façon où chaque jour maintenant il vous dit, il faut vraiment regarder à l'intérieur de soi pour prendre conscience de la réelle valeur de ce que chaque être humain représente pour Dieu. Le grand frère Yves, je vous souhaite Yves, dans les games de hockey, de temps en temps, vous voyez Pierre vous faire une pause. Puis tu vous dis, ben, hey, mon grand frère, je suis toujours là.
Je continue de prendre part aussi à toutes ces games avec lesquelles on se rappelait que dans nos habiletés, on a développé aussi cette manière de s'épouser mutuellement. Que ce qu'on était, ce n'était pas uniquement des liens du sang, mais c'est le cœur qui a toujours parlé. C'est la façon dont on va se souvenir que dans tout ce que nous sommes tous les deux, l'un pour l'autre, c'est ce que Maman Janine et Papa Fernand ont tout donné du meilleur de nous. C'est ce qui me permet aussi d'être conscient que le privilège que j'ai de marcher avec Lucie, ben, c'est ça qui me permet aussi de croire que dans la suite de cette histoire de vie, de cette histoire d'amour, ben, tu vas toujours, toujours être aussi une source d'inspiration pour moi, comme tu l'étais déjà. Et pour Madame Minot, je vous souhaite au plus profond de votre cœur, de vous réconcilier avec la vie et de savoir chaque jour tout simplement accueillir tout ce que Pierre a déposé à l'intérieur de vous, dans la manière de vous aider à croire en la femme que vous êtes et en ce bonheur auquel vous êtes appelé. Pour tous ces confrères, je vous dis, je suis avec vous aujourd'hui. Je me tiens debout parce que Pierre s'est toujours tenu debout. Et comme M. Vincent l'a si bien rappelé, n'importe qui, toute personne humaine, lorsqu'elle est consciente de sa réelle valeur, par tous ces gestes avec lesquels nous témoignons de cette amitié, de cet amour, avec laquelle Dieu a déposé son empreinte sur nous le jour de notre baptême, c'est ce qui donne sens à cette existence humaine. Et c'est ce qui fait que nous pouvons changer la vie de nos frères et sœurs, de ceux et celles qui partagent cette vie de quartier. La Chine a perdu un de ses âmes. Mais je peux vous dire très sincèrement ce que je vous m'avais permis de vivre, de connaître de cet homme. Pour moi, Pierre Lacroix va toujours demeurer une source d'inspiration. Merci, Pierre, pour tout ce que tu es. Merci éternellement d'être encore et toujours une véritable lumière qui, du firmament du paradis, va veiller sur tous tes confrères pompiers pour Pierre, sur tous les membres du personnel du service incendie, sur tous ceux et celles qui vont demeurer liés à toi, dans un cœur qui battra aussi au rythme du tien. Maintenant, nous allons ensemble prier à la mémoire de Pierre. Nous venons d'écouter la parole de Dieu qu'il a traduit en acte et qui nous invite à cette espérance que nous manifestons ensemble aujourd'hui. Que notre prière se fasse maintenant humble et confiant, comme Pierre, en relation avec le témoignage du Seigneur. Mais après chaque intention, nous sommes invités à répondre « Dieu de tendresse, exaucez-nous. » Pour Pierre Lacroix et pour tous les membres de sa famille, en communion avec tous leurs défunts, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exaucez-nous.
pour nos frères et nos sœurs qui sont aujourd'hui dans la peine, et pour tous ceux qui pleurent le départ de Pierre de ce monde, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, et qui sont découragées par le mal et la douleur qui les afflige, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, écoute-nous. Pour les personnes telles que Pierre Lacroix, qui se dévouent au service des autres, allant même jusqu'à faire le don de leur vie, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour les membres de l'équipe de sauvetage nautique, Robin, Michael et François, pour les membres de la caserne et de l'équipe du 64-3, pour la gang de la ville de Saint-Pierre, Joël Cartier, Benoît Dubois et Yves Poirier, ainsi que pour le personnel du service incendie qui se consacre chaque jour à sauver des vies humaines, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, pour les personnes unies avec nous de cœur et d'esprit et qui demandent de prier avec elles et pour elles, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce-nous. Seigneur Jésus, c'est toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom pour soutenir les membres de la famille de Pierre. Écoute nos supplications et prières. Et c'est toi qui sans cesse réponds aussi à nos appels, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. À cette étape de la célébration, nous allons préparer l'autel qui figure le repas pascal auquel Pierre participe, entouré de ceux et celles qui ont eu le bonheur de l'accueillir dans ce nouveau monde que Dieu nous a préparé. En lien avec l'héritage de sa mère, nous entendrons l'Ave Maria.
pouvoir d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, accepte l'offrande que nous présentons pour ton fidèle et fils bien-aimé Pierre. Il est accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, à l'exemple du Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin notre séjour sur terre, nous savons déjà qu'il y a une demeure éternelle pour nous dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en réparant sur elles la toute-puissance de ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses amis et disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Demain, à la fin de ce repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la partagea avec ses amis et disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tout comme Pierre, ton Fils, tu nous as aidés aussi à marcher sur cette terre et à servir chaque jour nos frères et sœurs pour leur témoigner de ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur Dieu, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Christian Lépine, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple et qui sont au service du genre humain. Souviens-toi en particulier de Pierre, que tu as appelé et qui vit maintenant auprès de toi. Puisqu'il avait été baptisé dans la mort de ton Fils, c'est pourquoi il participait pleinement à sa résurrection, à travers tout ce qu'il a conçu et transformé par ses mains, à travers tous ses talents, à travers sa belle gang, cet homme de Ville-Saint-Pierre, à travers tous ceux et celles qui ont partagé ces moments de loisirs, avec tant d'hommes et de femmes qu'il a si bien servi dans son voisinage. Oui, c'est pourquoi bien des personnes vont se souvenir de toi, Pierre. Et tout particulièrement, maman Janine et aussi papa Fernand. Parce qu'avec Yves, vous conçoit toujours cette famille humaine. Vous êtes toujours unis par ce cœur, par cet amour, par tout ce qui va au-delà de nos regards humains, par la manière même dont cette histoire de vie se poursuit, pour que autant Annick et ses familles, vous puissiez continuer de grandir avec la certitude que cet homme-là va toujours être là pour vous. Et vous le répétez bien des fois, je ne peux jamais vivre sans vous autres. Alors, pendant maintenant, je vais vivre pour que vous me laissiez animer sans cesse de cette présence, que je vous aide à toujours, toujours aller de l'avant, et que malgré tous ces moments où il y a des tempêtes, alors vous aurez tout simplement comme moi sorti, puis aller ouvrir l'entrée, prêter main forte à ceux et celles avec qui vous avez partagé cette existence. Oui, souviens-toi, Seigneur Dieu, de tous ceux et celles qui ont accueilli Pierre dans ce nouveau monde et qui vivent ainsi dans ton éternelle lumière. Et pour nous qui sommes rassemblés autour de Pierre, nous implorons ton infinie bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et martyrs, avec tous les saints et saintes qui de tout temps ont vécu en communion avec toi, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Malgré la pandémie, c'est chacun et chacune de vous, particulièrement pour les membres de la famille, si vous voulez vivre cette communion et vous transmettre la force même de la présence de Pierre, alors allez-y. Tendez-vous les mains et qu'ensemble nous puissions prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux personnes qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur Dieu. Et chaque jour, aide-nous à trouver cette paix en nos cœurs. Donne la paix à notre temps. Par ton infinie miséricorde, tu ne cesses de nous libérer de tout mal. Tu veux nous rassurer devant les épreuves en cette vie, où nous continuons d'espérer ce bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais tu es conscient de la foi de ton Église. C'est pourquoi chaque jour aide-nous à accomplir ta volonté. Donne-nous cette paix dont nous avons tant besoin et conduis-nous vers cette unité avec toi pour les siècles des siècles. Et que la paix qui vient du cœur entièrement consacré à nous révéler cette puissance d'amour envers chacun et chacune de nous, et cette paix qui vient du cœur même de Pierre, qu'elle soit toujours avec vous. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guéris-moi de mon manque d'amour. Ceci est pris place avant de vous déplacer, banc par banc, pour venir accueillir le pain de vie. Merci de collaborer. Je vous rappelle aussi que dans vos déplacements, forcément sans un masque, et de communiquer directement devant le prêtre. Alors le père Bernard va être ici devant nous, et moi je vais aller les centrales un peu plus loin.
chant que nous avons entendu, par les saints Jacques, était intimement relié à la vie de Pierre. En toute humilité, et avec toute la pauvreté de son cœur, il s'est totalement donné pour ses frères et sœurs. Ce chant était directement relié à lui. J'invite que vous levez, s'il vous plaît, pour adresser la dernière prière. Seigneur Dieu, dans cette Eucharistie, nous venons de célébrer pour ton Fils bien-aimé Pierre, le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'à ta maison de lumière et de paix, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons vivre un geste très signifiant, celui de bénir Pierre. Tout au cours de cette célébration, Dieu nous a rappelé que chaque personne sur cette terre est un signe de sa présence. Je vais vous asseoir, s'il vous plaît, pendant que nous allons poser ce geste avec son frère, Yves, et ses deux filles, Annick et Stéphanie, qui ont bien voulu en toute liberté poser ce geste. Avec le posoir, je vais renouveler sur Pierre l'onction qui l'avait totalement sanctifié et qui fait que Dieu a prononcé ses paroles sur lui. Tu es mon fils et ami Pierre, et je t'aime plus que tout le monde. Cette force d'amour, c'est moi seul qui peux t'arracher à moi, qui peux te relever de tous tes coups, et surtout, que je puisse te faire découvrir le monde dans lequel tu as déjà contribué à l'incarner durant ta présence. Alors, où seul l'amour et la paix veut régner entre les membres du genre. Alors, je vais renouveler sur lui ceci, et avec son frère et ses deux filles, ce sera pour nous une manière aussi de laisser l'empreinte de Pierre nous guider pour le reste de nos vies. Au nom de la famille de Pierre, je vous remercie infiniment de m'avoir donné le privilège d'être avec vous aujourd'hui et hier. Dans tout ce que Pierre et avoir ce soir cette façon qui nous unira pour bien longtemps. Je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui ont pris part à cette célébration. Le Père et l'Évêque,
qui nous a accueillis comme représentants du recteur de la basilique Notre-Dame, ainsi que la présence de M. l'abbé Gilles Poussier de la ville de Lévis, qui a fait le déplacement tout spécial pour venir accueillir la famille de M. Lacroix, M. Guy Chapdelaine, qui est ancien aumônier général des forces armées canadiennes, qui a pris part aussi à cette célébration en écoute. Également tous les membres du personnel du service incendie de Montréal. Tous ceux et celles ici qui, au nom de la ville de Montréal, ont agi pour préparer ces deux journées. Ainsi que Mme José Gosselin et des Waterhouse, les membres de la garde, mes amis, qui m'accompagnaient à tous ces événements. Pour toutes les personnes qui, d'une manière ou de l'autre, ont consacré le temps nécessaire pour planifier et assurer le bon déroulement de cet événement, ici même pour la célébration des funérailles, comme pour la journée en chapelle ardente que nous avons vécue hier dans le vieux port de Montréal. De Pierre, Yves Lacroix, en hommage aux nombreuses années que Pierre a consacrées à servir fidèlement son engagement comme pompier et membre de l'équipe de sauvetage nautique de la caserne 64. J'invite M. Richard Libman, directeur du service de sécurité incendie de Montréal, à remettre le képi et le casque de pompier de Pierre à ses deux filles, Annick et Stéphanie. Père très bon, nous remettons définitivement entre tes mains l'âme et toute la vie de notre frère Pierre. C'est pourquoi, dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent auprès de toi ont eu ce bonheur de l'accueillir, dans ton infinie tendresse, accueille-le et il continue de nous guider tout au cours de notre chemin sur cette terre. C'est toi qui lui as ouvert tout le temps des portes de ton cœur. Pour nous qui restons ici-bas,
Donne-nous de trouver courage et confort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous en rassembleras autour de ton Fils bien-aimé Pierre, vivant auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Maintenant, je vous invite à vous lever pour accueillir la bénédiction qui, à travers ce geste, veut aussi un signe d'amitié, d'affection et d'amour que Pierre vous transmet. Dieu a passé par lui pour témoigner qu'il est encore bien vivant en ce moment. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, répands sur nous tous tes bénédictions et que ton Fils bien-aimé Pierre nous garde lui près de toi. Toi qui es le Dieu de la vie pour les siècles des siècles, et que Pierre, uni avec moi et avec le Dieu vivant trois fois saint, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever pour nous unir à la prière qui sera prononcée, laquelle sera suivie du dernier appel à la trompette. Depuis toujours, le tintement des cloches sert à appeler, quoi que ce soit, les élèves à l'école ou les fidèles à l'église. Il y a eu une époque où les cloches d'église servaient aussi à appeler les pompiers. C'était la cloche qui annonçait le début et la fin du quart de travail des pompiers. C'était aussi la cloche qui sonnait l'alarme et qui signifiait la fin de celle-ci. Lorsque les pompiers mouraient dans l'exercice de leurs fonctions, c'était le son de la cloche qui annonçait solennellement le sacrifice ultime de nos confrères. Leur tâche était achevée, leur devoir bien accompli, leurs dernières alarmes avaient sonné. Ils pouvaient maintenant entrer à la maison. Observons maintenant une minute de silence. Il sera suivi d'une hymne à la prononce.
ce que nous avons vécu symboliquement lorsque cette cloche a sonné, c'est de rappeler les pompiers qui, les 144 maintenant, ont consacré leur vie en décédant, en agissant fidèlement à leur engagement et à leur devoir à travers l'histoire du service incendie de Montréal. Ainsi, le pompier Lacroix est définitivement rentré à la maison, à la caserne 64. J'invite maintenant toutes les personnes qui ont pris place dans cette enceinte sacrée à se déplacer tranquillement vers l'extérieur de la basilique, en commençant rang par rang dans la première rangée, pour que tous ensemble nous puissions nous rassembler sur le parvis de l'église. Une fois sur le parvis, nous nous regrouperons autour de Pierre pour le saluer une dernière fois. Et c'est ainsi que les membres de la garde d'honneur viendront nous accompagner pour que nous posions ce geste.
Présentez! Pour le dernier salut du pompier Lacroix. Salut, madame!
Regarde-le!